Merci de votre coopération. C'est maintenant le moment de la période des questions orales. Chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les élèves de Durham ont été privés de cours pendant 19 jours. C'est la grève la plus longue dans plus que 25 ans. C'est le plus longtemps qu'ils ont été hors de la classe il y a 25 ans. Ce gouvernement l'a fait avec un processus de négociation qui est décrit comme être mal conçu. C'est votre responsabilité de faire en sorte qu'ils retournent en classe avant qu'ils perdent leur année scolaire. Est-ce que vous allez le faire? La ministre de l'Éducation. Oui, merci beaucoup. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes en accord que les élèves doivent retourner en classe. On aimerait qu'ils soient en classe. Et ils ont été privés de cours pendant longtemps. Mais nous savons aussi que la seule manière de le faire, c'est d'effectuer des négociations. Nous devons avoir un accord négocié. Donc, nous sommes prêts à être à la table. Je sais que les associations des conseils scolaires sont prêts et j'aimerais que les syndicats soient prêts aussi à retourner à la table parce que la seule manière de résoudre ce problème, c'est avec des négociations. Monsieur le Président, nous savons qu'il nous faut avoir un accord collectif pour mettre fin aux grèves. Complémentaire à la vice-première ministre. Les élèves veulent retourner en classe, les enseignants veulent retourner en classe, les parents veulent que leurs enfants soient en classe. Si la commission des relations de travail de l'Ontario et sa décision reçoit un appel, les élèves peuvent être hors de la classe encore plus. Les élèves d'une école secondaire de Durham ont été dits d'enlever leurs effets personnels de leur casier parce qu'ils ne vont pas retourner avant la fin de l'année scolaire. Le Collège Durham a dit que si ces élèves ne sont pas diplômés d'ici le 22 août, ils ne seront pas admissibles l'année prochaine. C'est les futurs de ces élèves, leur carrière sont en péril. Concluez l'accord et faites en sorte que ces élèves retournent en classe et qu'ils soient diplômés le mois prochain. Ministre de l'Éducation, je suis très inquiet si le parti d'en face a fourni ces renseignements aux élèves et à leurs familles, parce que la situation évolue. Arrêtez la pendule. La ministre, mon message a été que nous attendons à ce que les élèves retournent en classe parce que l'accord collectif sera un succès. Et il est très important que les élèves fassent du travail pour qu'ils fassent leur travail, leur projet, leur devoir qui sera nécessaire pour la fin de l'année scolaire. Ils doivent les faire maintenant. Et en fait, le conseil Durham, de Rainbow, de Peel, ces conseils ont des cours en ligne qui sont disponibles. Donc, j'encourage les élèves et les parents de faire en sorte que leurs enfants utilisent ces pages. Complémentaire final à la vice-première ministre. La première ministre et cette ministre de l'Éducation n'ont fait aucun progrès par rapport aux conseils scolaires en grève. Le FESO aura peut-être 4 grades de plus à Alton, Lakehead, Waterloo et Ottawa-Carleton. Des milliers d'élèves pourraient être hors de la classe avant la fin de l'année scolaire. Des milliers d'élèves pourraient perdre leur année scolaire et leur possibilité d'être diplômés. Utilisez ces compétences de médiation et terminez le travail pour que les élèves puissent retourner en classe. Veuillez vous asseoir. Merci. Attendez. Oui. La ministre, j'aimerais rappeler les députés d'en face que je ne suis pas à la table de Durham, ni à celle de Rainbow, ni à celle de Peel. Je suis à la table centrale. Et c'est là où nous faisons
beaucoup de travail, mais je ne vais pas tirer des enseignements des gens qui ont dit qu'ils allaient licencier 22 700 travailleurs du secteur de l'éducation. Ils étaient demandés lors de la dernière campagne électorale, est-ce que ça va signifier moins d'enseignants? Et leur chef a dit oui. Ça signifie moins d'enseignants dans notre système. Donc, c'est ça leur façon de faire des relations de travail, ils n'auront aucune paix. La façon de le faire... Veuillez poursuivre. Donc, je le dis à nouveau, nous avons la volonté de faire des négociations à la table centrale. Je me suis engagé à cela, la première ministre s'est engagée à cela, les négociations sont la solution. Nouvelle question, député de Simcoe-Nord. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. 60 % des élèves du Collège Durham viennent de la région de Durham. Et comme vous le savez, les élèves du deuxième année ont été hors de la classe pendant 12 semaines. Leur remise de diplôme est en péril et l'école a dit qu'ils ne peuvent pas, ces élèves ne seront pas admissibles s'ils n'ont pas la remise du diplôme avant le 22 août. Est-ce qu'ils seront diplômés? La ministre de l'Éducation. Comme je l'ai expliqué auparavant, j'ai rencontré Collège Ontario et le Conseil des universités de l'Ontario. Nous avons parlé au centre de demande et député de Leeds-Grenville, deuxième fois, j'aurais pensé que vous voudriez les renseignements qui seraient utiles pour les élèves et pour les parents qui sont préoccupés plutôt que de charité. Nous avons l'engagement des collèges, des universités pour travailler ensemble parce que nous avons besoin de trouver des solutions pour que ces élèves puissent assister à ces collèges et à ces universités. Nous allons travailler pour qu'il y ait des solutions. Merci. Madame la ministre, c'est déjà la troisième fois. Lorsque je me lève, vous vous asseyez, vous ne terminez pas. Complémentaire. Merci à la vice-première ministre. 22 000 élèves de Durham sont hors de la classe. Et aujourd'hui, c'est la 19e journée. La semaine prochaine, c'est une journée de circonscription. Donc, il n'y a pas de questions, une période de questions orales, aucune négociation. Nous savons que le projet de loi 22, le système de négociation de table, il faut que les jeux s'arrêtent. Nous avons besoin de leadership. Quelle action proposez-vous pour que ces élèves de Durham puissent retourner en classe? La ministre de l'Éducation. Je m'excuse. Député de Renfrew. Tout d'abord, parlons du Collège Durham, qui a déjà annoncé aux élèves de Durham que ce collège va accepter les élèves basés sur le bulletin de... Donc, les problèmes soulevés, le Collège Durham a déjà pris la décision qu'ils vont accepter ces notes qui ne sont pas les notes finales. Quelque chose que nous avons remarqué, c'est que les parents qui ont des incertitudes par rapport au paiement, je les encourage. Complémentaire final, merci beaucoup. À la vice-première ministre, avec 72 000 élèves secondaires hors des classes, vous blâmez des autres personnes. Le système de négociation à deux paliers ne fonctionne pas. Nous le savons, tous les côtés le savent. C'est un échec et les victimes sont les 72 000 élèves. C'est le projet de loi 122, c'est votre système à deux paliers qui met en péril le système de l'éducation.
Nous avons besoin du leadership. Nous n'avons pas besoin des jeux. Est-ce que vous allez faire en sorte que ces élèves auront une cérémonie de remise de diplôme et ne seront pas désavantagés lorsqu'ils assistent aux collèges des universités cet automne? La ministre de l'Éducation, il faut penser de la manière par laquelle nous sommes arrivés au projet de loi 122. Nous avons fait des négociations, nous avons fait des consultations, nous avons parlé aux directeurs, aux syndicats, et nous avons effectué ce processus de consultation. Et après avoir effectué ce processus de collaboration avec tous les partenaires touchés par les accords collectifs, ce parti s'opposait à participer à cette discussion lors de ces consultations. Il disait non, non. Donc, je ne suis pas étonné que les députés n'aiment pas la maison législative parce qu'ils ne l'ont pas appuyé dès le début. Nouvelle question. Chef, arrêtez la pendule. Il y a déjà trois personnes qui seront nommées bientôt. Nouvelle question, député chef de la troisième partie. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. L'histoire se fait aujourd'hui en Ontario. Les gardiens indépendants ont écrit une lettre à la première ministre et lui ont dit que la vente d'Hydro One est admissible et contraire à la démocratie. C'est historique et cela démontre à quel point ce gouvernement est arrogant. La vérificatrice générale, l'Ombudsman, le commissaire à la protection de la vie privée, la commissaire à l'intégrité et le commissaire aux services en langue française. Ils demandent au gouvernement provincial de mettre fin à cette vente. Est-ce que les libéraux vont écouter les hauts fonctionnaires indépendants? Est-ce qu'ils mettront fin à leur plan de vendre Hydro One? La vice-première ministre. Je dois dire que nous sommes heureux d'avoir une discussion par rapport à nos plans de construire davantage d'infrastructures et d'élargir la propriété d'Hydro One. Les sociétés cotées en bourse ont des mécanismes de surveillance différents que les actifs provinciaux, mais il y a quand même des mécanismes de surveillance. Thank you. Merci. Veuillez terminer. Je dois dire que c'était une décision difficile. Nous avons considéré les intérêts publics et nous répondons à ces intérêts en gardant une réglementation du secteur énergétique, mais en élargissant la propriété de cette société. C'est pour ça que nous le faisons pour construire l'infrastructure complémentaire. Ce gouvernement devient de plus en plus non démocratique. Et les gardiens indépendants veulent que là se termine. Les libéraux ont été clairs qu'ils ne respectent pas nos hauts fonctionnaires indépendants, mais je peux vous dire que les néo-démocrates les respectent. Provinciaux ainsi que le gouvernement soient redevables. Pourquoi est-ce que les libéraux suivent le plan à la Harper en ignorant carrément ces hauts fonctionnaires et qui s'inquiètent de la démocratie et de la redevabilité? La vice-première ministre. Un rappel à la chef du troisième parti concernant notre engagement. Intervention du président. Député de Timmins Bay James, vous êtes averti. Carry on. Continuez. Monsieur le Président, notre engagement envers les hauts fonctionnaires de cette Assemblée est plus fort que tout autre gouvernement dans la mémoire récente. Nous avons en fait créé le nouveau directeur de la responsabilité financière. Nous avons créé
Nous avons fait en sorte que le commissaire aux langues françaises soit indépendant. Nous avons donné plus de pouvoir à l'Ombudsman pour qu'il puisse aussi surveiller les universités. Le commissaire à l'intégrité a maintenant des règles qui ont trait au lobbyisme. Nous avons aussi parlé de la façon dont il y a... Nous avons donné plus de pouvoir à différents bureaux. Ces gardiens sont indépendants et non partisans, Monsieur le Président. Leur travail est de donner la vérité, peu importe qui est au pouvoir. Ils veulent s'assurer que la Hydro One... Que ce plan soit public, mais et la population n'a aucune idée de ce qui se passe dans cette société. Arrêtez la pendule, l'intervention du président. Ministre de l'Emploi, du Développement économique, vous êtes averti. Continuez. Les Ontariens méritent la redevabilité et d'être propriétaires de leur service le plus important. Est-ce que la vice-première ministre va museler la commissaire à l'intégrité, à la vie privée, au service des langues françaises et arrêter la vente d'Hydro One immédiatement? Je ne crois pas qu'on essaie de museler qui que ce soit. Nous avons des hauts fonctionnaires indépendants de l'Assemblée. Ils ont partagé leurs opinions. Nous l'accueillons. Nous sommes aussi très heureux que Denis Fortin, l'ancien vérificateur général du Canada, a indiqué qu'il assurera l'équité à travers le processus d'un premier appel public de l'épargne. C'est une responsabilité qu'il a décidé de prendre. Nous sommes d'accord avec la troisième partie. Les Ontariens demandent une supervision et un processus juste et transparent. La députée de l'autre côté parle de l'impact sur les tarifs. Ils savent d'ailleurs très bien que les taux n'ont pas augmenté et continueront d'être établis par la Commission de l'énergie. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Toujours à la vice-première ministre, Monsieur le Président. Non seulement est-ce que ce gouvernement muselle les hauts fonctionnaires indépendants de l'Assemblée, mais il muselle aussi les Ontariens. Les Ontariens ont moins de 5 heures pour ajouter leur nom à la liste afin d'être en mesure de parler sur la vente d'Hydro One. Et ce, pendant seulement 4 jours ici à Toronto. Nous avons vu des dizaines de milliers de gens de toutes les couleurs politiques, de toutes les couches de la société qui veulent envoyer un message aux libéraux. Ils ne veulent pas avoir à payer pour la vente à tout prix d'Hydro One. Ils ne veulent pas être ceux qui paieront le prix pour cette mauvaise décision. Pourquoi est-ce que les libéraux musellent la population et ne veulent pas voyager à travers la province pour entendre l'opinion des Ontariens et Ontariennes? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je vais être en désaccord avec le fond de la question de la chef du troisième parti. En fait, Monsieur le Président, ce que l'on fait, c'est que nous améliorons la participation publique dans notre budget en amenant 6 jours de considération en comité, en tenant des audiences publiques ici à Queen's Park. La députée sait très bien que ces 6 jours sont 3 fois plus que le nombre de jours qui ont été utilisés par les 3 partis politiques au cours des 25 dernières années lorsque l'on parle de l'étude du budget. En fait, je voudrais rappeler à la chef du troisième parti que lorsqu'elle était au gouvernement, de 2 des 4 budgets qu'ils ont déposés, ils n'ont eu qu'une journée d'étude du budget. Et en 93-94, ils ont permis aucune étude du budget. Intervention du président, merci. Complémentaire.
Monsieur le Président, la Première ministre sait qu'il y a des gens de London, d'Etobicoke, de Peel, de Sudbury et de Thunder Bay, et d'Oakville, de Barrie, de Cambridge, de collectivités partout à l'échelle de la province qui ne veulent pas payer le prix pour la liquidation d'Hydro One. Ils ne peuvent se permettre de payer des plus hauts tarifs d'électricité. Les libéraux le savent parce qu'ils ont reçu les courriels, Monsieur le Président. Des dizaines de milliers de personnes se sont plaintes. Est-ce que les députés d'arrière-ban retourneront chez eux dans les circonscriptions la semaine prochaine et dire à leurs commettants la raison pour laquelle ce sera eux qui paieront pour cette liquidation d'Hydro One et qu'ils n'ont aucun intérêt à entendre leurs opinions? Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je peux vous dire, je peux vous dire que ce dont nos commettants parlent, c'est le besoin d'infrastructure de nos collectivités. Ce que nos commettants veulent, c'est de mettre fin à l'embouteillage, aux congestions sur nos autoroutes. Ils veulent travailler de façon efficace afin de pouvoir passer du temps avec leur famille. Monsieur le Président, la seule chose que les néo-démocrates essaient de faire, c'est d'empêcher ce progrès. Nous devons adopter ce budget pour être en mesure de financer notre infrastructure et, bien sûr, Monsieur le Président, pour s'assurer que notre sécurité de retraite soit assurée avec notre nouveau régime de retraite. La chef du troisième parti n'essaie que de retarder le processus. Ce n'est rien qui facilitera la vie des Ontariens. Elle veut s'assurer que ce budget ne soit pas adopté. Complémentaire. Final. Les familles et entreprises ne peuvent se permettre de payer le prix pour la liquidation inutile d'Hydro One par la Première ministre. Monsieur le Président, ils veulent être entendus aux audiences publiques. Ils peuvent appeler le 416-325-3526 ou envoyer un courriel à Catch Coach, le greffier du comité, afin de nous laisser faire savoir ce qu'il pense de la vente d'Hydro One. Le numéro 416-325-3526 ou kcoach@commercialola.org. Monsieur le Président, la Première ministre essaie de faire taire la population. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Veuillez terminer. Elle demeure ici à Toronto. Elle fait en sorte que c'est le plus difficile possible pour les gens à l'extérieur de Toronto d'être entendus dans ce processus. Quand est-ce que le gouvernement libéral commencera à écouter la population de l'Ontario et d'arrêter cette liquidation d'Hydro One? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, nous écoutons les Ontariens. Les Ontariens nous disent à chaque jour et ils le disent à chaque député de cette Assemblée qu'il faut investir en infrastructure. Ils veulent que nous construisions les routes et les ponts dans nos collectivités. Ils veulent que nous nous assurions qu'il y ait le transport en commun et le transport dans la province qui soit simplifié. Il n'est plus le temps de demeurer inactif. Nous devons avoir une infrastructure du 21e siècle dans l'Ontario et la seule chose que les néo-démocrates veulent, c'est de retarder le budget pour que ces objectifs ne soient pas respectés dans nos collectivités. Nous voulons adopter le budget afin de construire l'infrastructure essentielle à nos circonscriptions pour nous assurer que nous ayons une sécurité en Ontario. Nouvelle question, député de Nipissing. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Alors que nous commençons à célébrer la semaine de l'infirmière en Ontario, il y a des milliers d'infirmières qui ne célèbrent pas. Vous avez renvoyé des gens dans des infirmières à travers la province. Nous avons entendu des exemples partout. Dans ma circonscription de North Bay, vous avez renvoyer 94 personnels infirmiers, 54 d'entre elles étaient des infirmières agréées et 34 à temps partiel. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez dit aux infirmières qui ont peur de perdre leur emploi?
Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. L'une des choses que vous pouvez leur dire, c'est qu'il y a 34 000 nouvelles infirmières qui travaillent dans cette province, qui, en comparaison avec les données d'il y a 10 ans. Vous pouvez aussi leur dire qu'il y a 3 500 nouvelles infirmières qui ont été engagées en 2013-2014. Dites-leur que les infirmières travaillent à temps plein, travaillent afin d'augmenter la proportion entre les infirmières qui travaillent à temps plein et temps partiel. Nous avons augmenté le nombre de postes à temps plein de 14 %. Monsieur le Président, vous pouvez leur dire que nous avons 18 000 nouveaux diplômés de l'école en soins infirmiers qui ont de l'expérience maintenant dans le milieu de travail. Vous pouvez leur dire que l'initiative des carrières en soins infirmiers ont donné l'occasion de bénéficier du programme et de travailler dans des circonstances qui sont moins demandantes, exigeantes plutôt. Complémentaire. Vice-première ministre, personne ne croit vos chiffres. Vous êtes les mêmes gens qui nous ont dit que l'annulation des centrales coûterait 40 millions de dollars. Intervention du président, arrêtez la pendule. Je suis debout, alors calmez-vous. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit que le scandale des centrales coûterait 40 millions de dollars alors que ça nous en coûte plus d'un milliard. Vous renvoyez les infirmières. Nous avons 18 000 heures de moins dans soins infirmiers. Asso Sainte-Marie, intervention du président. Ministre du Transport, deuxième fois. Non, vous étiez trop occupé à chahuter lorsque je l'ai dit la première fois. Please finish. Asso Sainte-Marie, 12 000 heures qui ont été perdues. Quinty a perdu des infirmières agréées, Stratford, Clinton, la liste continue. Vice-premier ministre, pourquoi continuez-vous à dire une chose alors que vous faites exactement l'opposé? Le ministre, Monsieur le Président, il est incroyable que le parti de l'autre côté, le député de l'autre côté parle de cette façon parce que la voie sur laquelle ils voulaient s'engager, ils auraient mis à pied des centaines d'infirmières à l'échelle de la province. Et donc, c'est drôle d'entendre ces mots venir d'un parti qui avait un programme électoral obsolète. Député de Leeds-Grenville, vous êtes averti. Terminez, s'il vous plaît. Donc, un parti qui se réfère aux infirmières dans cette partie est un peu obsolète. Vous vouliez mettre à pied 100 000 emplois, 100 000 employés dans la fonction publique. Certains de ces emplois auraient été dans les soins infirmiers, Monsieur le Président. Donc, nous n'avons qu'une leçon à prendre des conservateurs. Nous avons augmenté le nombre d'heures en soins infirmiers, Monsieur le Président. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Des centaines d'enseignants sont à l'extérieur de nos portes aujourd'hui, des milliers et des milliers d'entre eux, pour dire au gouvernement d'arrêter de se tenir de côté en marge des négociations. Des dizaines de milliers d'élèves veulent aller en classe et se demandent s'ils sont en train de perdre leur année académique. Des centaines de millions de dollars ont été retirés de notre système d'éducation publique. Notre système d'éducation est en chaos. Contrairement à la version des libéraux, la population sait que la responsabilité de l'éducation appartient à la province. Pourquoi est-ce que ce gouvernement force les élèves et les familles à payer le prix pour leur négligence dans le dossier de l'éducation? Vice-première ministre, à la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas de quel système académique vous parlez, mais celui dont je veux parler, c'est celui dans lequel nous avons investi grandement. On continue à dire qu'il y a des compressions faites au système d'éducation. Je vais vous dire quelque chose de l'éducation spéciale et son financement. Obtenons de la vraie information. Nous avons augmenté les dépenses en éducation spéciale de 1,1 milliard de dollars.
à 2,72 milliards de dollars. C'est une augmentation de 68 % dans l'éducation spécialisée. Est-ce que vous savez c'est combien en comparaison avec le coût de la vie? C'est à peu près trois fois le coût, l'augmentation dans le coût de la vie. Je ne vais donc accepter aucune leçon des autres de ce parti qui ont fait campagne. Intervention du président. Complémentaire. Monsieur le Président, plutôt que d'allumer les feux dans les négociations collectives, la Première ministre joue à blâmer les enseignants, les commissions scolaires, mais leur gouvernement échoue auprès des familles de cette province. La ministre de l'Éducation s'assoit en marge des négociations et ne fait absolument rien alors que le processus est contourné. Est-ce que la vice-première ministre et son gouvernement arrêteront de s'asseoir en marge, se lèveront et s'assureront que les élèves retournent en classe là où ils devraient être? La ministre. J'aimerais vraiment savoir ce que la députée propose. Cependant, ce que je peux dire, il y a deux choses. Nous sommes à la table centrale. Nous voulons négocier avec nos partenaires qui veulent y être. Mais ce que j'aimerais aussi dire, parce qu'elle continue à dire que le système d'éducation est un chaos. Je vous ai parlé du financement de l'éducation spécialisée, ce que nous avons été en mesure de faire avec ce financement. C'est d'évaluer ce que nos élèves en éducation spécialisée sont capables de faire. Et lorsque l'on s'arrête à leur réussite, nous avons un meilleur taux de réussite de 39 % d'intervention du président. Merci. Nouvelle question. La députée. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Je vais avertir la ministre. Ça fait quatre fois maintenant où je me lève, vous continuez à parler. Arrêtez. Député de Renfrew, revenez à l'ordre. Deuxième fois. Nouvelle question, député de Orwell-Tawarlean. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Le 14 mai est la journée des jeunes et enfants en soins de la province qui démontre que les jeunes doivent être bien, dont on doit bien s'occuper. Comme quelqu'un qui a lancé sa carrière dans les sociétés d'aide à l'enfance, je comprends qu'il est important d'agir pour aider les enfants dans les soins spécialisés afin de leur donner de bonnes bases pour un avenir. Importante action que nous pouvons prendre pour les enfants et spécialement les jeunes qui sont pris en charge par la province et de leur donner une base solide pour un avenir meilleur. Afin de voir cette nouvelle journée, est-ce que le gouvernement peut informer la Chambre à savoir comment nous pourrons aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel? Merci. La ministre des Soins à l'enfance. Merci. Je veux reconnaître la députée d'Ottawa-Orléans pour la question et pour son travail. Plusieurs d'entre nous étions à une célébration ce matin pour la journée des jeunes qui sont dans les soins sous les soins de la province. Et nous avons une motion pour créer la journée des jeunes sous les soins de la province. Beaucoup de ces jeunes ont 18 ans, 20 ans, se concentrent sur leur éducation, leur bien-être. Nous avons de nouveaux programmes et services afin de les aider dans leur vie adulte. Et nous avons un meilleur financement pour eux par mois. Nous voulons aller de l'avant. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. I'm glad to hear that our government... Je suis heureuse
que la ministre s'occupe des jeunes et les aide dans leur transition. La base de la réussite, c'est l'éducation et nous devons nous assurer que les pupilles de la province aient la formation dont ils ont besoin. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement pourrait nous dire la façon dont on aide les pupilles de la couronne afin qu'ils puissent obtenir l'éducation nécessaire pour qu'ils aient de bonnes vies adultes? Ministre, notre gouvernement met l'accent sur le fait que les jeunes qui ne sont plus les pupilles de la province aient accès à des cours de l'éducation et on leur donne 2 000 $ par mois pour qu'ils puissent avoir accès aux prêts et bourses de la province. On couvre également 50 % des droits de scolarité grâce à l'admissibilité aux prêts et bourses supplémentaires. Et on fait des partenariats avec les études postsecondaires pour payer les droits de scolarité pour les anciens pupilles de la province. L'éducation est la clé de l'avenir des jeunes. Nous allons rendre les services et les programmes disponibles à tous les pupilles qui ne sont plus pris en charge par la province. Député de Dufferin-Caledon, ma question s'adresse à la procureure générale. Ministre, est-ce que les juges de la paix doivent suivre un code de conduite? Oui, les juges de la paix, les juges doivent suivre ou respecter un code de conduite et ils doivent se comporter d'une manière la plus disciplinée qui correspond à leur charge complémentaire. Je vous suggère qu'il faut faire la mise à jour du code de conduite. C'était en film et que le harcèlement au travail n'est pas une blague. Hydro One a congédié M. Salmon après des commentaires à la télé inappropriés. Et comment cela vous a pris 2 convictions, 5 ans où plusieurs femmes doivent se présenter avant de congédier Ayan Masaya comme juge de paix? Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Procureur général, comme je l'ai mentionné, les juges de la paix doivent respecter un code de conduite très élevé. Et si les gens sont préoccupés de la façon dont ils se comportent, doivent porter plainte. Il y a un comité indépendant du gouvernement qui examine la situation et propose des recommandations en fonction des mesures que le gouvernement devrait prendre. Il est important que le public qu'ils peuvent faire confiance au processus, qu'il y a un comité d'examen disciplinaire. Merci. Nouvelle question. Député de Toronto-Danforth, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, les experts ont dit que le plan de vente Hydro One va mettre fin au contrôle par le public de l'entreprise et que dans le budget, c'est clair. La véritable intention du gouvernement, c'est de remettre dans les mains du privé le contrôle des actifs publics du gouvernement. Et cela va abandonner le contrôle public d'Hydro One. Est-ce que la vice-première ministre pense que nous croyons que c'est une publicité? Je voudrais vous parler des mécanismes qui seront en place alors que la société deviendra publique.
Nous voulons faire ce que doit dans les intérêts du public concernant le tarif d'électricité et la Commission de l'énergie de l'Ontario va continuer à l'avenir à fixer les prix de l'électricité. Nous nous engageons à ne vendre pas plus de 60 % des participations dans l'entreprise et que les décisions importantes prises par Hydro One va nécessiter la majorité de nous pourrons congédier le conseil d'administration et nous allons contrôler 40 % Nous essayons tout simplement d'avoir un équilibre, l'équilibre parfait. Merci. Les libéraux et cette publicité sur la vente d'Hydro One, c'est en fonction de maintenir une participation minoritaire dans Hydro One. Il n'y a rien qui empêche des investisseurs privés de voter contre le gouvernement. Même si 40 % demeure dans les mains publiques, le contrôle peut passer dans les mains du public et que l'Ontario pourrait se retrouver avec moins de 10 % de l'app dans sa participation Hydro One. Elle vend Hydro One aux banquiers et elle vend aux Ontariens. Va-t-elle arrêter la vente d'Hydro One aujourd'hui? Monsieur le Président, nous sommes engagés à construire les infrastructures nécessaires dans la province, mais le député d'en face pense autrement. Et qu'il y a d'autres argent sous l'arc-en-ciel qui permet de construire les infrastructures. De ce côté, on sait que les infrastructures coûtent de l'argent. Et comme l'a fait le Parti néo-démocrate, nous analysons, examinons les actifs pour mieux utiliser les actifs en infrastructure. Nous nous sommes engagés à améliorer les infrastructures de la province. Nous allons utiliser les ressources des Ontariens, que ce soit des édifices dont on n'a pas besoin, des terrains dont on n'a pas besoin ou une participation dans Hydro One. On met nos actifs au travail pour la priorité à l'intention. Député d'Etobicoke Centre, ma question s'adresse au ministre du Travail. Plus tôt cette semaine, il y a eu la une dans le Toronto Star sur les travailleurs temporaires, et c'est clair. Et finalement, nous savons que l'économie reprend et que les employeurs doivent s'adapter à cette nouvelle économie ainsi que les employés. Voulez-vous partager avec nous qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous assurer que les lois du travail tiennent compte de l'évolution du marché? Merci au député pour sa question. Le gouvernement reconnaît que les relations de travail et les normes du travail doivent évoluer en fonction de la nouvelle économie et que le mandat que j'ai reçu de la première ministre l'année dernière, que je revois des conditions du milieu de travail pour s'assurer que les lois et les normes de travail sont en fonction de la nouvelle économie. Nous avons nommé deux conseillers, M. Mitchell, M. John C. Murray, qui ont une excellente réputation dans le domaine des lois du travail. Nous, ils vont mener des consultations à l'échelle de la province concernant la loi sur les relations de travail, le code sur les normes du travail et proposer des conclusions au gouvernement et au ministre du Travail. J'ai hâte d'en parler davantage du processus en cours pendant la complémentaire. Ministre, vous avez mentionné que l'ancien juge Murray, M. Mitchell, vont mener des consultations à l'échelle de la province. Vous les avez nommés en janvier. Et le public veut savoir quand est-ce qu'ils peuvent s'exprimer à ce sujet. Et les employés, les employeurs sont intéressés à s'exprimer à cet égard. Ministre, voulez-vous informer la Chambre et les députés quant à la décision de mener ces consultations? Merci aux députés. C'est quelque chose qui intéresserait sûrement tous les députés. Et j'espère qu'ils feront part à leurs commettants toute l'information par les médias sociaux, le ministre du Travail, le site Web. Et je sais que
les consultations vont commencer à Toronto le 18 juin et ils iront à Ottawa, Mississauga, Guelph, Windsor, London, Sudbury, Hamilton et Thunder Bay, puis de retour pendant l'été à Toronto. Les députés devraient savoir que les groupes ou les personnes qui ne peuvent pas se rendre à une audience, ils pourront présenter leur présentation par écrit ou par courriel au ministère. L'information est disponible sur le site du ministère qui décrit le processus qui doit être suivi pour les présentations et l'examen va nous permettre de s'assurer que les lois sont en fonction de la nouvelle économie. Merci. Nouvelle question, député de Paris Saint-Muskoka. Ma question s'adresse à la ministre des services correctionnels et des services sociaux. Et vous avez demandé cette base, Héliport à Sudbury, de fermer. Et cet endroit dispensait des services dans les régions du Nord. Il y a une excellente température un temps à Sudbury. Ministre, pourquoi est-ce que vous diminuez la capacité de l'APPO de dispenser des services de secours et de sauvetage dans le Nord? Je crois que la question du député d'en face est très importante. J'en ai parlé auparavant en la Chambre lorsque la question a été posée par la députée de Sudbury avec qui je travaille étroitement sur ce dossier. Premièrement, je voudrais dire ceci. Je sais que le député d'en face sait très bien lorsque décision concernant l'exploitation, décision prise par la PPO sur l'emplacement des actifs, c'est une décision par la direction de la PPO, par le commissaire de la PPO et il faut se rappeler que le gouvernement n'intervient pas. Notre priorité, c'est la santé et la sécurité des Ontariens. Il faut s'assurer que les responsabilités au titre de la loi sur les services policiers sont en fonction de ce qui est nécessaire. Vous êtes le ministre nécessaire de la PPO. Dimanche dernier, cet héliport, et on a demandé de retracer deux personnes, mais ils n'ont pas pu se rendre à cause du mauvais temps. Mais l'hélicoptère était en mesure de trouver les personnes perdues en forêt. Et donc, cela représente l'impact négatif de la fermeture de cet héliport. Comment pouvez-vous vous assurer que ce service demeurera dans le Nord? Je voudrais qu'il reformule sa question. Notre priorité, c'est la santé et la sécurité de tous les Ontariens. Étant donné que la question a été soulevée concernant l'emplacement local des services de la PPO, j'ai demandé au ministère davantage d'informations sur cette décision. Il est important d'avoir l'information. Comment Sudbury sont desservis par des héliports qui permettent des activités de secours et de sauvetage et qui pourront avoir un impact sur les services dispensés au Nord. La PPO doit dispenser des services à l'échelle, la province, y compris le support aux activités aéronautiques et de communiquer cette décision de manière efficace pour que toutes les collectivités aient l'information pour être en sécurité. Je voudrais ajouter que la PPO travaille étroitement avec le ministère, avec ses ressources et continue d'utiliser l'endroit, l'héliport à Thunder Bay, Sudbury. Je vais continuer à travailler étroitement avec le député sur cet enjeu. Député de Nickel Bell. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Minister, yesterday we learned. Hier, on a appris que plus d'infirmières perdent leur emploi. Cette fois, c'était à l'hôpital pour enfants du nord-est de l'Ontario. Le gouvernement a dit que le réseau de la santé n'allait pas assumer les coûts des coupures. Mais perdre une infirmière n'est jamais une bonne idée. Mais perdre 27 infirmières
à l'hôpital pour enfants qui s'occupe des enfants les plus malades de la province est inacceptable. Est-ce que le gouvernement n'a aucune frontière, aucune limite? Comment est-ce que le ministre ressent lorsqu'il doit équilibrer les livres de la province sur le dos des enfants les plus malades de la province? Merci, M. le Président. Peut-être je voudrais... Je fais confiance aux professionnels dans les hôpitaux, dans les airlists, qui prennent ces décisions difficiles pour s'assurer que les Ontariens aient les meilleures qualités de soins de santé possibles, où qu'ils soient. Et je sais qu'elle comprend que nous sommes dans une période de transition. Lorsque cette annonce a été faite hier, et j'ai pris quand même une décision pour l'augmentation exponentielle du nombre d'infirmières, cette transition va dispenser des soins aux familles, aux individus plus près de chez eux, où ils souhaitent avoir les soins, où ils sont entourés par leurs êtres chers qui peuvent s'en occuper de façon efficace. Nous sommes en transition, mais il faut parfois s'ajuster en termes du niveau de financement et comment nous déployons les services infirmiers à l'échelle de la province. Complémentaire, 27 infirmières en soins en pédiatrie depuis 2015. Oma nous a dit que plus de 400 infirmiers et infirmières ont été coupés, l'équivalent depuis de 800 000 d'heures de soins infirmiers coupés. Et les plus vulnérables méritent davantage d'heures en soins infirmiers. Il est clair, les études le prouvent, que chaque infirmier ou infirmière coupée met les vies des patients à risque. Le gouvernement adopte une mesure très triste au moment de la semaine des soins infirmiers. Ma question est toute simple. Combien de postes infirmiers seront coupés dans les hôpitaux de l'Ontario? Merci, ministre. Le député, elle est une professionnelle comme moi. Elle comprend très bien. Lorsqu'une position ou un poste à l'hôpital disparaît et réapparaît dans un autre programme ou un autre poste ailleurs dans l'hôpital et que ce poste est ajouté ailleurs dans l'hôpital. C'est ça le plus important, c'est le résultat. J'ai fait une annonce pour une clinique en pédiatrie, en soins chroniques à Ottawa. Maintenant, il y a une possibilité d'avoir 50 nouveaux postes en soins infirmiers. On fait ces investissements. Je fais confiance aux professionnels de la santé à Ottawa ou ailleurs en Ontario. Nouvelle question. Député. Le président, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. This week, we are celebrating Police Week in Ontario, an opportunity to honor and recognize the bravery and sacrifice of... Nous voulons reconnaître les travaux des personnes dont les actions nous maintiennent en sécurité. Nous sommes heureux dans ma collectivité d'être desservis par les services de police, où les policiers ou les civils font un excellent travail. Mon mari a été un policier avec la PEP. Avec le service de police de Toronto et ailleurs dans la province. Ainsi, j'apprécie beaucoup l'importance du rôle que les policiers jouent au jour le jour, que ce soit des programmes de sensibilisation dans les écoles, participer, être présent lors d'un lieu d'accident. Les policiers jouent un rôle important pour la sécurité des Ontariens par vous. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Qu'est-ce que l'on fait cette semaine pour honorer ou célébrer le travail des officiers ou des constables? Merci, le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci pour sa passion de la députée pour le service public. Comme elle l'a mentionné, elle fait partie de la famille des policiers, comme moi je le fais, parce que mon grand-père était un agent de police et je partage sa passion et je la remercie de la défense de la sécurité publique. À chaque jour, on remercie les agents et agents de police du travail qu'ils font pour maintenir la sécurité dans nos collectivités. Mais cette semaine, nous sommes en particulier
on remercie en particulier, reconnaissant des policiers parce que c'est la semaine des policiers, des services policiers et des agents de police qui est reconnue à travers le monde. Et donc, je remercie au nom, avec tous les députés, du fait que les agents de police nous protègent. Le thème de cette semaine est « Il faut découvrir les services policiers ». On veut encourager le public à connaître les postes qui existent et notre gouvernement est très fier du partenariat qu'on a avec les services policiers. Merci. Question complémentaire. Clairement, les services policiers, c'est une passion qu'on partage et j'apprécie votre engagement à rendre hommage aux services des agents de police et des agentes de police. Depuis 2003, le taux d'activité criminelle en Ontario a été réduit de 36 % et le crime violent de 27 %. En fait, c'est le plus faible dans toute province ou territoire depuis 2004 et c'est le résultat du travail des services policiers. Des agents et agents de police. En travaillant ensemble, on peut travailler sur les racines de l'activité criminelle pour essayer de résoudre. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment on peut avoir des collectivités encore plus sécuritaires? Réponse du ministre. Pendant cette semaine où on rend hommage aux agents et agents de police, on veut travailler pour avoir des communautés plus saines et plus sécuritaires à travers la province. On a travaillé avec acharnement, mais maintenant il faut travailler avec plus d'intelligence pour rendre nos collectivités plus sécuritaires. Notre stratégie est ciblée sur les trouvailles de moyens plus efficaces et intelligents de trouver, d'avoir de la sécurité avec des partenariats, avec des intervenants dans les domaines de l'éducation, de santé mentale et des toxicomanies. Donc, on essaye de relever le défi quant aux questions à la racine de l'activité criminels. Les partenariats sont très importants pour avoir de la sécurité communautaire d'une façon plus intelligente. Et je demande aux gens, pendant la fin de semaine de la Reine Victoria, de la fête de la Reine, de faire de l'attention et de conduire avec sécurité. La députée Durand-Bruce, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je vous demande à reconnaître le succès qui a été produit par le rapport de votre gouvernement de 2014 où l'agence de gestion, de réglementation de la gestion des pesticides ont contribué à une réduction de 70 % de la mortalité. Vu qu'on a eu ce succès, pourquoi vous n'écoutez pas des rapports de l'Ontario ou du gouvernement fédéral et pourquoi vous voulez adopter des règlements qui vont causer beaucoup de problèmes à des agriculteurs? Réponse au ministre. Comme la députée le sait, on a eu plus de 34 % de perte des abeilles cette année. Aux États-Unis, le ministère de l'Agriculture a dit qu'il y a des pertes de 42 %. J'ai dit l'Ontario, c'est là où on a commencé. On a un problème avec des pollinisateurs sauvages pour lesquels on n'a pas de chiffres. On sait que c'est soluble, ça devient beaucoup plus toxique. Le Québec a trouvé, au-delà des niveaux sécuritaires dans les 20 cours d'eau qu'ils ont étudiés. Donc, on applique le principe précautionnaire parce que la science démontre qu'il y a beaucoup de dangers aux espèces, à l'intégrité de notre écologie, de notre environnement et les vertébrés et invertébrés. Et donc, on fait le suivi des données scientifiques. Question complémentaire? Monsieur le ministre, je veux vous rappeler que la semaine dernière, à une conférence où vous avez parlé, vous avez dit « les politiciens font des erreurs quand ils ne pensent pas à la science ». Je veux partager avec vous que le rapport des appuis provinciaux de votre gouvernement a noté que le secteur est la croissance et on a terminé la saison 2014 avec une augmentation de 15 % des colonies d'abeilles. La population est à la croissance, ce qui est derrière vraiment votre initiative de déstabilisation du secteur. Réponse du ministre. Monsieur le Président, c'était intéressant
Vendredi, j'ai visité des producteurs de soja et de graines. J'étais dans le comté du Huron et le comté de Purtewell et le comté de Wellington. Et j'ai rencontré pas mal de fermiers de graines qui, de granidés, qui ont partagé leurs préoccupations du gouvernement. Et ils sont très insatisfaits parce qu'il y a de mauvaises impressions. Disons des mauvaises renseignements. Ils vont continuer à les nicotiner. On ne va pas les interdire. Et plutôt que des dommages, on sait qu'il y a des études qui viennent de l'EPA américaine qui n'a pas des avantages. On étudie aussi l'efficacité sur le maïs et le soja. Il y aura des études du PMR du gouvernement fédéral bientôt. Nouvelle question, le député d'Essex. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Le gouvernement a approuvé en 2006 l'élargissement à 4 voies de l'autoroute 3 de Windsor-Lymington. On a promis que tout le projet serait complété. Cette année, le gouvernement a terminé son projet, mais de Essex à Lymington, la dernière phase, est incomplète. On nous a dit que c'était à la fin de cette année. Est-ce qu'on pense repaver la route et la défaire en 2018 pour l'élargissement à 4 voies, ou est-ce qu'on a décidé de reporter à plus tard l'élargissement de la route, de l'autoroute? Réponse du ministre. Je remercie le député de sa question. Il a fait allusion de sa question, mais bien sûr, il sait qu'à date, notre gouvernement a investi près de 50 millions de dollars pour élargir les 13 kilomètres de l'autoroute de la ville de Windsor à la ville de Essex. Il saurait aussi que le travail de l'élargie est indiqué dans notre programme des autoroutes du Sud, des routes du Sud plutôt. Ce que je trouve remarquable, ce qui vient des membres néo-démocrates, des députés néo-démocrates plutôt dans cette chambre, semaine après semaine, depuis que je suis député de Vaughan, ce député et tout ce parti ont voté contre des mesures d'investissement dans l'infrastructure. Ils ont lutté contre nous. C'est une honte qu'ils ne veulent pas mettre notre argent où leurs bouches sont. Question complémentaire. Je vous remercie. Monsieur le Président, mon prédécesseur, le député de Essex, le feu député Bruce Cocher, a dit que l'élargissement de l'autoroute, c'était vraiment une réussite et il a eu de bonnes réussites et beaucoup de succès. Il savait que cette autoroute a un lien important, en particulier pour les serres qui existent. Et quand il est mort en 2011, on a nommé la route le tronçon Bruce Cocher de la route 3 de Essex à Lymington. Et est-ce qu'il va s'engager à le faire dans le programme des routes du Sud? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, je n'ai pas eu la chance dans la réponse initiale. En 2014-15, ce gouvernement, sous le leadership de la première ministre, Kathleen Wynne, investit presque 2,5 milliards de dollars pour l'expansion et les réparations des autoroutes et routes et ponts de l'Ontario. Mais encore une fois, ce qui est remarquable, on fait l'attribution de 2,5 milliards de dollars pour des autoroutes, des routes et des ponts et inclus dans le sud-ouest de l'Ontario dans le budget de 2014 et 2015. Et la population de Essex Limited et l'ESSEP doit savoir, vu la teneur du débat, vous allez rejeter ce budget. C'est une honte, vous avez rejeté le budget de 2014 et maintenant le budget de 2015. C'est une honte. La députée de Halliburton, Quarter Lakes-Brock, un rappel au règlement. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à des invités, Darren Meek, Kathleen Meek et Taylor Meek de l'île du Prince-Édouard avec leur cousine Amanda Meek. Bienvenue à Queen's Park. La députée Duran Bruce, un rappel au règlement. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Marchdown, Thompson et Quentin Herbo qui sont venus de Huron Perth pour les affaires civiques.
le député de Bramley Gore Mountain. Merci. Je demande à tous les députés de me rejoindre, à souhaiter la bienvenue à Shelley Neiman et Céline M, qui sont des parents du stagiaire dans mon bureau. Merci, le député de Bruce-Williamson. J'aimerais ajouter à la députée de Quarter Lakes, Brock Mendemix, sont là pour lever des fonds pour la marche du financement pour les enfants à la mémoire de leur cousine. Nous avons un vote libéré sur la motion de deuxième lecture du projet de loi 91, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter, à modifier diverses lois. Appelez les députés. Sonnerie de 5 minutes.
tous les députés, veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît. Les députés, s'il vous plaît, priez de s'asseoir. Le 30 avril 2015, Monsieur Souza a proposé la deuxième lecture du projet de loi 91. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever à tour de rôle. Mr. Hoskins. Mr. Hoskins. Mrs. Sandals. Mrs. Sandals. Mr. Duguid. Mr. Duguid. Mr. McCharles. Mr. McCharles. Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Takar. Mr. Takar. Mr. Bardinetti. Mr. Bardinetti. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Quadri. Mr. Quadri. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. McMeekin. Mr. McMeekin. Mr. Murray. Mr. Murray. Mr. Chan. Mr. Chan. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Leo. Mr. Leo. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Balkison. Mr. Balkison. Mrs. Albanese. Ms. Albanese. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Manga. Ms. Manga. Mr. Crack. Mr. Crack. Ms. Wong. Ms. Wong. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Jassa. Ms. Jassa. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Ms. Domerla. Ms. Domerla. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Koala. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Ms. Molly. Ms. Molly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Ms. McMahon. Ms. McMahon. Mr. Milchin. Mr. Milchin. Ms. Naidu Harris. Ms. Naidu Harris. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Ms. Verniel. Ms. Verniel. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever à tour de rôle. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Hudak. Mr. Hudak. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Dunlop. Mr. Dunlop. Ms. Jones. Ms. Jones. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Ms. Scott. Ms. Scott. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Marteau. Ms. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Mr. Pettipies. Mr. Pettipies. Ms. Fife. Ms. Fife. Mr. Singh. Mr. Singh. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Monsieur Bisson. Monsieur Bisson. Mr. Van Thaw. Mr. Van Thaw. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Natashek. Mr. Natashek. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Madame Jelinek. Madame Jelinek. Ms. Forrester. Ms. Forrester. Mr. Mantha. Mr. Mantha. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Pour 51, contre 41. Vu qu'il y a 51 pour et 41 contre, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Selon l'ordre daté du 25, on envoie le projet de loi au comité permanent des affaires économiques et des finances. Et avant la pause, j'aimerais vous souhaiter une bonne fin de semaine et la sécurité pendant la semaine de circonscription. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la séance